Eh bien bonjour à toutes et à tous. Donc eh bien je vous fais une petite vidéo pour vous faire un peu le bilan de cette année à frisson, donc le bilan 2016-2017. Donc on a fait une AG avec le bureau, donc c'était samedi dernier, on a fait une AG pour faire justement le bilan financier et humain, et le bilan d'activité tout simplement. Euh, donc il en ressort euh, bah, que du positif, hein. c'est génial pour une première année. Euh, donc cette année euh, nous avons eu 15 enfants en initiation, euh, euh, donc les cours le soir. Euh, on a eu, euh, enfin maintenant on a six groupes qui répètent dans le local frisson. Euh, on a enregistré deux démos, la démo de Hazel Anne et la démo des copains de Wednesday 7. On a organisé donc euh, le concert de, euh, pour l'animation de Noël des, des commerçants de saint herblon on a organisé la fête de la musique. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Eh ben on a fait ben tout ce qu'on a fait, c'est le bilan d'activité, ce qui est déjà pas mal euh, pour une création. En fait, il hein, faut bien se dire que Frisson, ben c'est la première année, et, euh, et donc on est super content. Donc voilà, donc le bilan financier, euh, très exactement, euh, euh, c'est-à-dire que donc on, alors le, le, le montant total des, des cotisations, des, enfin, tout l'argent qu'on a eu cette année, s'élève à 3115 euros. Euh, on a fait pas mal d'achats, euh, bon, bah entre autres le 4-12 Marshall, euh, du câblage, euh, des, euh, des lumières, euh, enfin plein de choses. Euh, il nous en reste donc euh, à ce jour 1321,60 euros. Voilà, donc on est dans le positif. Donc euh, plusieurs solutions euh, s'offrent à nous pour, euh, pour, euh, pour cet argent. Soit on le garde pour l'année prochaine, ou soit on l'investit euh, dans, dans, dans du matériel encore pour l'année prochaine. Donc bon, ça, ça reste à débattre. On a plusieurs euh, pistes, hein, euh, notamment, euh, notamment euh, l'idée de racheter une deuxième sono en spare. Euh, une deuxième sono qui nous permettrait de faire euh, plus d'interventions à l'extérieur, donc des, des, des prestations euh, externes, sans toucher à la sono qui resterait euh, comme ça, tout le temps dans le local rapète. Et cette sono on pourrait la louer en fait, aux adhérents à pas cher. Euh, ça, ça reste à déterminer. Et euh, on pourrait la louer éventuellement aussi aux, aux, aux particuliers, de saint herblon enfin voir euh, les modalités. Quoi. Donc ça, ça pourrait être des rentrées d'argent euh, supplémentaires euh, pour l'assaut. Euh, voilà euh, qu'est-ce qu'on a alors donc oui la, la réflexion majeure qu'on s'est faite euh, donc pour l'année prochaine c'est l'idée peut-être de me rémunérer en fait parce que pour même si vous le saviez pas euh, toute l'année euh, toute cette année j'étais bénévole entièrement j'ai rien gagné du tout euh, donc soit il y a deux solutions soit il y a, il y a, on trouve d'autres bénévoles qui veulent bien euh, euh, faire le suivi des cours pour les enfants. Alors on, a priori c'est bien reparti pour tous les enfants de cette année euh, euh, pour l'année prochaine. Voire euh, peut-être qu'il y en aura plus. Donc euh, là à l'heure actuelle ça faisait euh, 4 heures, on va dire 5 heures euh, de travail hebdomadaire, donc c'est pas beaucoup, mais bon, il faut quand même les faire. Euh, donc s'il y a des bénévoles qui veulent s'en charger, euh, c'est cool. Euh, moi c'est sûr que je ne vais pas refaire une année euh, entièrement bénévole. Donc soit euh, soit on, la, la somme... Euh, me rémunère pour les heures de cours, donc bon, il y a plusieurs moyens pour ça. C'est soit je monte une micro-entreprise et je fais une facture à frisson, ou soit, soit on passe par le chèque emploi associatif, qui est un peu plus complexe à mettre en place, mais bon, c'est faisable quand même quoi. Et donc là, soit les moyens de le faire via les, les cotisations des, des enfants, quoi. Enfin, des parents qui payent pour les enfants, hein, bien sûr. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est la réflexion. Donc ça, je vais, cet été, on va, on va prendre une décision là-dessus. Euh, si, bah donc, encore une fois, s'il y a des bénévoles euh, parmi vous qui veulent se charger de faire les, ces heures de cours euh, bénévolement, euh, bah, tant mieux, enfin, ça sera encore mieux. Et, euh, auquel cas, bah, tenez-moi au courant si vous êtes euh, prêts à faire ça. Euh, donc, alors, ce on, ce on, on va préparer aussi donc, la porte ouverte de l'année prochaine. Euh, donc, ça sera sans doute le 2 septembre 2017, à la rentrée, afin de mieux préparer aussi derrière le forum des assauts parce que faire plus de com, etc. Parce que c'est vrai que cette année, enfin l'année dernière, on va dire, on a fait vraiment tout à l'arrache, c'était vraiment la dernière minute, le forum des assauts s'est fait deux jours avant, donc on n'a pas fait de com, c'était un peu compliqué. Donc là, on va essayer de faire plus de com, si vous avez des idées de com, si vous êtes graphiste, si vous... Voilà, bref, nous, on prend, on prend les coups de main, n'hésitez pas à nous contacter, il n'y a pas de souci. Euh, Qu'est-ce qu'on a donc abordé d'autre comme sujet à l'AG Ah oui, alors donc on se demandait quoi faire de plus euh, l'année prochaine. Donc on avait pensé à mettre en place une espèce de, de concert tremplin, euh, peut-être à la salle des Lezières, à voir. Donc il mettra en valeur les groupes qui répètent à frisson et les groupes locaux émergents, euh, vraiment histoire d'offrir une première expérience de la scène à, à des groupes qui, qui n'en ont pas, quoi donc ça, on appellera ça peut-être des rencontres musicales, on ne sait pas bon bref, ça c'est un, une idée qui est, je pense qu'on va mettre en place dès cette année alors encore une fois, là on aura besoin de bénévoles euh, donc on compte sur vous euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ouais peut-être l'idée aussi de faire euh, de faire des, des espèces de forums alors, chez Frisson des, des forums ou des, des ateliers euh, ou des masterclass qui seraient dédiés donc par exemple aux effets guitare, aux effets électroniques, à la MAO, avec des thèmes dédiés. Donc ça, ce sera à vous de nous, nous dire quel thème vous aimeriez aborder, euh, qu'on essaye d'aborder via des, des ateliers. On essaiera de faire venir des professionnels, peut-être en lutherie, en, euh, enfin, sur plein de sujets, euh, l'électronique dans, dans les guitares, euh, l'électronique euh, tout court, hein, les musiques électroniques, etc., euh, la, la MAO, donc, plein de choses intéressantes, donc il y a moyen de, de trouver des euh, plein de sujets comme ça euh, et animer peut -être, par exemple je pensais au samedi euh, samedi après-midi euh, dans le local frisson de, ce genre d'atelier quoi. Donc ça ça reste à, à mettre en place. Euh, qu'est-ce qu'on a mis d'autre Et tout, 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 tout. Eh ben c'est tout, euh, ce tout ce qu'on a c'est tout ce qu'on a dit pour l'instant. Alors maintenant Évidemment, on reste ouvert à toutes vos, proposi vos propositions parce que ben, c'est quand même vous, c'est votre assaut aussi, hein, vous les adhérents. Donc, euh, bien évidemment, vous avez votre mot à dire. Euh, ben voilà. Donc, j'ai fait cette petite vidéo parce que j'avais la flemme d'écrire tout ça. Hein, voilà. Et euh, comme ça, c'est plus fun. Et puis, euh, vous pouvez la regarder plusieurs fois. Donc, on compte le million de vues, hein, bien évidemment, le million, le million. Ça nous fera plein de sous pour Frisson pour acheter plein d'instruments de, de musique pour les enfants. Non, je rigole. Donc, on compte sur vous l'année prochaine. Euh, bah, faites plein de musique cet été. Et puis, euh, on se retrouve au mois de septembre. Salut